Coucou mes belles âmes, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du jour. J'ai décidé de vous faire une guidance du jour hein, parce que j'ai eu quelques demandes où les gens me demandaient quelques petites guidances. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des demandes spécifiques, je verrai en fonction s'il y en a beaucoup. En ce moment-là, je ferai des petites choses. Et évidemment, je remercie toute la communauté. Merci, mes belles âmes. Infinie gratitude. Et je dis bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Aujourd'hui, le tirage, il est un tirage à trois choix. Donc, sachez que tous les tirages que je fais sont intemporels. C'est-à-dire que quel que soit le moment où vous tomberez sur cette guidance, aujourd'hui ou un autre jour, ce tirage sera là pour vous apporter un message spécifique. D'accord? Voilà, donc ne restez pas sur la temporalité, il n'y a pas de temps là-haut. On vous donne les messages, ils peuvent résonner aujourd'hui comme demain, comme dans un an, peu importe. Donc je vous invite à faire votre choix, mes belles âmes. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à liker pour tout le monde, bien entendu. C'est la petite récompense que vous pouvez me faire à moi aussi et ça me fait toujours plaisir. Donc le premier choix, mes belles âmes, vous avez l'œil de tigre. Donc, vous pouvez choisir en fonction du chiffre ou en fonction de la pierre qui est là ou en fonction de la couleur. De toute façon, la couleur, elle est la même hein, pour tout le monde. Mais la couleur de la pierre, je veux dire. Le deuxième choix, c'est la lapis-lazuli. Donc, c'est vraiment le chiffre 2 ou alors cette couleur bleu-azur qui peut vous attirer. Le troisième choix, c'est l'améthyste. Donc, cette jolie pierre violette qui apaise énormément. Donc, bien entendu, l'œil de tigre, c'est la pierre de protection contre le mauvais œil. Et la lapis-lazuli, elle a beaucoup de vertus, notamment, elle va également retravailler sur vous, vous recentrer sur vous. Et même, ça guérit pas mal de maux, hein, des douleurs, des choses qui étaient enfouies en nous. Et l'améthyste, elle va vraiment vous apaiser vos émotions, vos énergies. Si vous êtes vraiment dans l'angoisse de quelque chose, vous souffrez encore d'une relation, d'accord? Peu importe. Dans tous les cas, c'est une pierre d'apaisement. Donc aujourd'hui, le tirage va être défini, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord le sentimental. Ensuite, on aura votre mission de vie. Nous allons également demander l'énergie qui vous accompagne en premier. Hein. Il y aura des conseils également. Il y aura votre vie professionnelle, donc financière, sociale. Le conseil également des guides. Donc, on commence par le sentimental, bien entendu. Pour ceux qui ne veulent pas le regarder, ben, voilà, je préfère commencer par ça. Au moins, c'est comme ça, c'est fait. Donc, on démarre par l'œil de tigre. Donc, bienvenue aux personnes qui ont fait le premier choix. Nous allons découvrir ensemble vos carte. On va y arriver. Waouh. En premier ici, nous avons la tour. La tour ici, c'est la maison de Dieu en fait. La maison de Dieu qui a été détruite par Dieu pour pouvoir la reconstruire. C'est la tour de Babel, la tour des horreurs. Il y a quelque chose ici qui ne peut plus tenir. Il faut qu'on le détruise un petit peu comme un peu cet immeuble qui s'est effondré. Je crois que c'est à Lyon. Hein. Il y a deux immeubles qui sont effondrés. Tout à l'heure, je suivais les infos. Je me suis dit que c'est cette histoire. Donc, ben, ma foi, il y a quelque chose ici qui doit être détruit et c'est amené par le divin parce que c'est la maison de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme deuxième? Ah, on a le pape. Le pape, il représente le divin. D'accord? Donc, votre énergie ici, c'est la tour. L'énergie qui vous anime aujourd'hui, quelque chose là qui doit, ou vous avez une volonté de quitter quelque chose, ou de déménager, ou de changer quelque chose aussi, d'accord? Ça, c'est votre énergie. Et si vous n'en êtes pas conscient, ici, on parle vraiment de quitter quelque chose. Peut-être aussi, vous avez vécu du mauvais œil, c'est peut-être qu'on parle de l'œil du tigre ici. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi cette pierre. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est une situation, en fait, il faut savoir que elle est amenée par le divin. Donc, le conseil ici, c'est de vous remettre à Dieu, en fait, de vous remettre à vos guides, que vous soyez croyant ou pas. D'accord? Donc, la maison de Dieu, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui doit s'effondrer. Et même si vous étiez dans des résistances aujourd'hui, on vous demande de faire confiance. Ici, dans votre vie sentimentale, on va les mettre un petit peu au milieu, comme ça sera peut-être mieux. D'accord?
Dans votre vie sentimentale, nous avons quoi? Nous avons la confiance. Donc, ça peut concerner votre vie sentimentale, encore une fois, pour ceux qui sont sur cette guidance aujourd'hui, d'accord? La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, bien entendu, vous voyez que le conseil ici, c'est de vous retourner vers Dieu, de demander l'aide des guides ici, de l'assistance divine ici, par rapport à cette situation qui peut-être s'est effondrée déjà, hein, peut-être que c'est déjà le cas et que vous êtes déjà dedans. Hein, et vous vous posez des questions. Pour certains, bien entendu, on est dans le sentimental encore. On vous demande d'avoir confiance à cette situation. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On parle ici des personnes qui sont séparées ou de quelque chose qui vous a brisé le cœur. Le sentimental peut être, en fait, il faut savoir que ça peut concerner votre autre, une relation sentimentale de couple, un homme et une femme ou vice-versa, peu importe, ou une relation avec un enfant ou un parent ou quelque chose qui touche vos émotions, d'accord? Ce n'est pas forcément avec un autre ici dans le sens un homme et une femme, d'accord? Mais ça peut aussi l'être puisqu'on est dans le sentimental. Donc, les priorités ici sont plus les couples, on va dire les couples. Mais ça peut concerner aussi un enfant, puisqu'on a un enfant qui apparaît ici. D'accord? Le conseil par rapport à cette situation de séparation, il y a une séparation qui a été faite là. Quelque chose qui a été douloureux, hein, parce qu'on voit vraiment les deux cœurs qui sont séparés. D'accord? La fin d'une situation. Ou tout de même, ça peut aussi être que cette tour vient pour mettre fin à une situation qui était douloureuse, qui vous a meurtri le cœur. Et on vous demande tout de même d'avoir confiance ici et d'avoir la foi. Le conseil, bénédiction d'acceptation. Donc, c'est en acceptant cette situation que vous allez recevoir les bénédictions. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi et tu dis namasté. Donc ici, vraiment, il y a une situation qui a été chaotique ou qu'il est encore au fond de toi, mais on te dit, il n'y a pas de parti pris en fait. Dis-toi que cette situation est arrivée pour que quelque chose soit fait, puisqu'on a le divin ici. Donc, c'est une situation qui est dirigée par là-haut, d'accord? Par l'au-delà. Nous avons dans la mission de vie, j'ai la campagne dans les vies antérieures. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à faire avec la campagne. Peut-être que la campagne peut parler également de repos, d'accord? La campagne peut parler également d'aller se ressourcer, de marcher dans le vert et de juste lâcher prise. La campagne peut aussi avoir d'autres significations dans le sens où peut-être que vous vivez dans la campagne, vous avez peut-être des parents qui sont à la campagne, qui vous ont légué quelque chose. Là, je vais un peu loin, d'accord? Mais ici, moi, la campagne que j'ai ici, c'est vraiment le ressourcement, le repos. J'ai un signe de croix là. D'accord? Il y a des gens ici, on me demande de vous dire que allez dans une campagne et rentrer dans une chapelle. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est ça. Peut-être que vous vivez dans une campagne ou vous allez partir dans une campagne, peut-être d'hiver. On vous dit, allez dans une petite chapelle et ressourcez-vous, d'accord? Il peut y avoir aussi certains qui partent à la montagne, dans les petites chapelles, dans les montagnes. Allez vous ressourcer, vous allez recevoir quelque chose. Peut-être qu'en sortant de cet endroit-là, vous allez avoir la manifestation de votre mission de vie. Il y aura peut-être un cadeau qu'on va vous donner. On parle de bénédiction, d'acceptation ici par rapport à quelque chose. Là, c'est votre vie financière et professionnelle, d'accord? On a ici la 8 de coupe. Vous avez peut-être quitté un travail, vous avez peut-être quitté une situation où il n'y avait que des montagnes, que des collines, il n'y avait que des épreuves. Aujourd'hui, vous vous projetez vers autre chose. Alors ici, je vais peut-être en rajouter une là, d'accord, par rapport à votre vie financière. J'en ai deux. D'accord. Est-ce que j'ai derrière?
Vous avez vu clair par rapport à une situation dans votre travail où vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été trompé par une personne. Il y a de la fourberie là, hein, dans le côté financier et professionnel, d'accord? Il y a de la fourberie. Mais j'ai ici un contrat, un engagement où on vous demande de voir clair, d'accord, désormais. De regarder peut-être des petites lignes aussi. Il y a quelque chose ici, quelqu'un a quitté un travail ou quelqu'un a quitté une situation où financièrement, vous êtes loin aujourd'hui de ce que vous espérez avoir dans vos finances, dans vos revenus. Parce que vous avez peut-être été aussi dupé par rapport à une personne. Là, j'ai la carte de la fourberie, hein, quelqu'un qui a été, qui a pensé être plus malin que vous, ou même qu'il a été, d'accord, qui a été dans la j'entends ici duperie, d'accord. Mais moi, j'ai quand même quelque chose de meilleur ici qui vient vers vous. Ça, c'est la carte du contrat. Et parce que vous avez vu clair par rapport à quelque chose d'autre et vous vous projetez. Moi, je pense que ça, c'était votre passé par rapport à vos finances. Hein? Vous avez vécu quelque chose de compliqué là. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la tour ici et le pape, le divin qui vient ici restaurer quelque chose. Hein? D'accord? La projection. Ok. Vous projetez à aller loin, vous projetez à faire des choses différentes, vous projetez à avoir une vision d'ensemble différente désormais, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et le chemin du temple ici, c'est le conseil de vos guides. J'ai le chiffre 12 qui fait aussi appel à quelque chose qui était bloqué, à un blocage, d'accord? Vos guides ici vous conseillent désormais. Le chemin du temple, c'est quand il y a les guides qui vous accompagnent dans une situation. Alors, je vais vous prendre la lecture de cet oracle. Voyez, on a la musique qui arrive. Donc, il y a quelque chose de beau qui vient. C'est incroyable, je ne vois pas le carnet. Je ne trouve pas. Donc, tout est toujours rangé, ordonné. Ok, c'est pas grave. Ok. Écoutez-moi bien, mes belles âmes de premier coup. Il y a quelque chose qui était bloqué là, d'accord, dans votre vie. Et là, on va l'effondrer parce que je n'ai même pas trouvé le carnet alors que j'ai toujours tout rangé au bon endroit. Peut-être que vous avez perdu quelque chose. Peut-être que vous avez fait des choses de manière ordonnée et que vous ne comprenez pas aujourd'hui pourquoi votre situation est bloquée. Au niveau de vos finances, on vous dit que les choses vont s'arranger. J'ai ici la 10 de Pentacle, d'accord? Cette carte, en fait, je voulais juste vous la lire, mais je la connais. Hein. Cette carte, en fait, elle vous dit quoi? Elle vous dit ici que le chemin du temple, toute cette petite lumière que vous voyez là, cet escalier-là, il mène vers... Il y a vos guides qui sont là. Vos ancêtres aussi, qui vous accompagnent dans une situation qui va se débloquer. Et excusez-moi du peu, vous avez juste le divin qui est là. Hein? Le pape, il représente le divin. Et la tour ici, la tour, quand la tour tombe sur un jeu, ça veut dire tout simplement que c'est Dieu qui vient détruire quelque chose où il n'y avait plus lieu d'être. Un endroit où c'était infesté de négatifs ou de mauvais esprits ou des choses qui n'avaient plus lieu d'être. On détruit ça pour que vous alliez vers votre chemin. Et le chemin du temple, ici, vous avez plein de guides qui sont là, qui vous accompagnent vers ce chemin pour que vous sortez de ce blocage. D'accord? Donc, je peux aussi inviter des personnes qui sont sur ce premier groupe à demander la protection, l'accompagnement d'un peut-être un magnétiseur, un énergéticien, pour vous aider à voir mieux dans votre situation. Et bien entendu, munissez-vous de l'œil de tigre, hein, parce que je pense que là, vous voyez, c'est rare que je ne trouve pas mes affaires. C'est très rare, parce que tout est rangé à sa place. Peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a dépassé, vous n'avez pas compris pourquoi c'est arrivé. On me demande de prendre cette carte ici. Ok. Il y aura un déplacement pour certaines personnes là. Il y aura peut-être un voyage, un déménagement, une crémaillère aussi. On parle de la fin de l'hiver pour le premier groupe. D'accord? En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous dis ici, quand on vous parle de projection, peut-être que c'est vous qui vous projectez, mais si ce n'est pas encore le cas, on va vous aider à vous projeter pour pouvoir prendre de la hauteur comme cette girafe. Donc, voilà tout ce que j'avais pour vous pour le premier groupe. J'espère que vraiment ça vous a... parler, et si ce n'est pas le cas, allez voir d'autres peut-être choix, faites un autre choix. Mais ma foi, il y a une notion ici de débloquer quelque chose qui ne pouvait plus continuer comme ça, d'accord?
Et on parle de la fin du foie, là. Un déménagement, un aménagement, une crémaillère. Fait une fête aussi. Peut-être que vous allez partir à la campagne. Vous voyez, on a le sapin, on a Noël qui arrive. Il y a peut-être une notion de ça ici. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bon week-end à tous. Et prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous dis à bientôt pour le premier groupe. Cool, le deuxième groupe. Bienvenue sur votre tirage. On va aller voir ensemble quels sont les messages que les guides vous ont préparés aujourd'hui. Message du jour. Ah, le deuxième groupe. Alors, il y a une chose ici, il fallait que je vous dise aussi, le deuxième groupe tout à l'heure. Il y avait comme une corrélation avec le troisième groupe. Donc, vous pouvez aller voir le troisième groupe aussi parce que j'ai senti qu'il y avait une connexion entre le deuxième groupe et le troisième groupe. Voilà, je vous le dis. Ici, votre énergie, c'est la papesse. Ça veut dire que vous commencez à avoir une intuition pour certains, d'accord? Vous commencez à ressentir les choses et peut-être que vous êtes connecté aussi à la Vierge Marie parce que la papesse, elle représente la Vierge Marie sur mes guidances. C'est même que vous soyez chrétien ou pas, ou que vous soyez croyant ou pas, quand elle arrive dans ta vie, elle vient te rappeler que tu es sur un chemin divin et que tu es divine aussi, d'accord? Donc, c'est l'énergie qui vous domine, la papesse. Vous commencez à être cette... À réagir, à ressentir les choses qui se passent autour de vous. Vous commencez à avoir cette intuition accrue également. Et j'ai le battleur ici, d'accord? Pour le deuxième groupe, le battleur, c'est le magicien, d'accord? Alors, le magicien ici peut aussi, et la papesse peut aussi vous parler de changement de situation de manière radicale, d'accord? Une situation qui était peut-être... procrastiner, d'accord? Quand elle vient pour t'enseigner, pour t'apprendre et pour te donner la force d'aller vers ton pouvoir, pour te donner la force également de devenir le magicien de ta vie, pour te donner également la force de te réaliser sur ton chemin de vie. Mais c'est aussi une carte qui peut parler également de la magie noire. Donc, quand elle vient, c'est aussi pour peut-être te faire aller vers un chemin pour faire un nettoyage énergétique, pour pouvoir te réaligner et pour pouvoir enlever tout ce qui a été fait dans l'ombre ici avec cette magie. D'accord? Ça peut l'être aussi. Et derrière, j'ai la tempérance. La tempérance parle d'apaisement de situation, d'apaiser quelque chose qui était électrique peut-être aussi pour certains, d'accord? D'apaiser quelque chose qui était lourd à porter, d'apaiser quelque chose qui n'était plus gérable. Ici, on a vraiment la notion de l'apaisement avec la maman Marie ici, qui vient pour te rappeler que tu n'es pas seul sur ton chemin et que tout ce que tu as traversé, je viens pour te faire comprendre que c'était ton chemin d'apprentissage. Et de toutes les façons, tu continues d'apprendre. Avec moi, tu vas apprendre encore des choses. C'est ça, d'accord? Et quand on regarde cette carte, elle a le visage blanc par rapport à toutes les autres cartes de tarot. C'est la seule qui a un visage blanc. Ça veut dire qu'elle est l'Immaculée Conception, d'accord? Elle est l'Immaculée Conception, elle est pure et elle vient te donner une partie de cette pureté aujourd'hui sur cette guidance. En tout cas, quelle que soit ta situation, si tu as été harponné par les énergies basses, elle vient pour te nettoyer, pour te donner cette blancheur-là, pour te nettoyer, pour purifier ton énergie, d'accord? Ton aura. Dans ta vie sentimentale, j'ai la lune de miel. Apprécie l'enchantement de vos vacances ensemble. La lune de miel ici peut parler d'une vraie lune de miel que vous allez faire avec votre autre ici, mais ça peut aussi parler de bonheur, de choses merveilleuses que vous allez avoir dans les prochains moments de votre vie, d'accord? De nouvelles rencontres aussi, de profiter aussi des bons moments de la vie parce qu'il n'y a pas que les moments difficiles, hein? Ici, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous allez sortir du creux de la vague, là, d'accord? Il y a une situation qui avait peut-être été compliquée dans le passé, mais vous sortez du creux de la vague ici avec Maman Marie. Donc, pour les personnes du deuxième groupe avec ces pierres de la lapis-lazuli. Et par rapport à votre autre ici, si vous attendez quelqu'un dans votre vie, si vous voulez savoir ce qui se passe ici, on parle par rapport à l'été, d'accord? Ici, il y a une temporalité. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue l'été. Soit vous avez rencontré quelqu'un l'été, et c'est quelqu'un avec qui vous projetez. Et on vous dit oui, hein, on aura peut-être des klaxons comme ça parce qu'il y aura un mariage, il y aura une demande à mariage. Et ce sera quelque chose qui sera amené par Maman Marie. Donc, restez optimiste par rapport à votre situation sentimentale. Si vous avez rencontré quelqu'un aujourd'hui et que vous vous posez des questions par rapport à cette personne, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, ça peut être qu'on est célibataire, qu'on se pose des questions, on parle de l'été. Et j'ai le signe ici de cette personne, on parle de cancer, de lion ou de vierge, d'accord? Donc le conseil ici, on vous dit bénédiction de la méditation.
La fenêtre de ta perception est nettoyée alors. Tu vois, on parle encore de nettoyage ici. Donc, elle est venue pour nettoyer quelque chose, pour que tu rentres dans cette pureté-là, pour quelque chose qui était peut-être aussi, peut-être chaotique, hein, peut-être aussi, voilà, je ne sais pas, hein, relation de sauveur-sauvé ici. J'ai quelqu'un qui est dans une relation de sauveur-sauvé, ou qui était dans une relation de sauveur-sauvé, on me le dit ici. Ici, le message te dit, la fenêtre de ta perception est nettoyée alors. Pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique, tu vois, on était peut-être dans quelque chose de chaotique et on te dit de voir, d'avoir une vue différente ou désordonnée. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sachez qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie en ce moment. Namasté. Donc, namasté, ça veut dire remercie. Hein. Tu remercies la source de t'amener vers ce chemin-là de lune de miel. La lune de miel, que tu, peut-être que tu n'es plus dans la conception aujourd'hui de te dire « je veux avoir un homme ou je veux avoir un enfant ou je veux avoir ça ». Mais on te parle de quelque chose qui va t'apporter de la douceur dans ta vie et du bonheur. Le miel, ça a toujours ce côté doux, hein, d'accord? Voilà. Et la lune, c'est aussi peut-être encore des moments qui sont sombres dans ta vie, des moments qui sont encore peut-être cachés. Mais cette lune de miel ici va t'apporter une forme de douceur. Peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu qui était aigre ici. On peut parler d'acidulé. Mais aujourd'hui, Maman Marie qui vient ici, c'est pour nettoyer. Nettoyer pour qu'il n'y ait plus que de l'apaisement et de la douceur dans ta vie. D'accord? Avec ce visage d'Immaculée Conception. La mission de vie ici, nous avons l'ange terrestre. Alors, cet ange terrestre ici, on a une notion de choses qui se détachent ici de vous. D'accord? Donc là, peut-être vous êtes dans votre période de mission où vous devez vous détacher des choses de cette terre. Peut-être aussi vous avez vécu des moments difficiles au niveau financier, matériel ici, d'accord? Dans votre vie professionnelle, on a la carte de la 5 de denier où on a manqué. Ou peut-être que vous avez une maison aujourd'hui où vous vivez dans un endroit où vous avez du mal à payer votre loyer ou des choses sont difficiles également ici. Votre mission, c'est-à-dire que en venant sur terre, vous avez peut-être accepté pendant une période de vivre des moments sans, d'accord, au niveau financier, au niveau de l'abondance, d'accord. Donc, de vous détacher également de biens matériels pour que vous puissiez aller dans votre complétude. Et ça, c'est votre choix que vous avez fait avant d'arriver sur terre. Ça peut vous paraître aujourd'hui peut-être difficile à continuer parce que ça vous semble lourd, compliqué, chaotique, mais ça faisait partie de votre mission de vie, de détachement des choses matérielles. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez vivre sans. Mais c'était une période, on peut parler du creux de la vague encore ici, d'accord? Que vous êtes dans le creux de la vague et les choses vont s'améliorer, d'accord? Donc, c'est vraiment une notion comme ça ici, de vous détacher des choses matérielles. Mais ce n'est pas pour l'éternité, c'est pour une période bien donnée pour que vous puissiez comprendre et aller vers cette complétude avec Maman Marie ici ou avec votre divin, peu importe comment vous l'appelez, d'accord? J'ai une période de fécondité qui va commencer là pour vous, après ce détachement. C'est quand on se détache des choses de la terre ou des choses de la vie, de ce monde, qu'on rentre vraiment dans notre complétude. Encore une fois, je peux encore prendre l'exemple de vous dire ici, celui qui s'élève se fait rabaisser et celui qui s'abaisse se fait relever par le divin, par l'univers. Donc, il y a une notion ici d'accepter ce cheminement, cette mission de vie que vous avez signée avant de venir sur terre, que cette période de ma vie, je n'aurai pas. Et en acceptant ça, c'est là que vous allez rentrer dans une période féconde, d'accord? Et vous allez être prospère. On parle de nouveau départ ici, d'accord? Ce qui vient à vous, c'est un nouveau départ, ok? J'ai le nouveau départ ici. Je vais peut-être aussi rajouter une là, avec le tarot, pour vous, par rapport à ce nouveau départ. Financier, hein? J'entends parler de finances ici. Vous voyez, on a le magicien. D'accord? Le magicien ici, c'est la même carte. Et c'est un arcane majeur. New beginning. Il y a un nouveau départ ici. D'accord? Il y a un nouveau départ ici pour les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui. Et le magicien ici, c'est vraiment
utilisez votre pouvoir universel ici grâce à la Vierge Marie qui vient vous le donner aujourd'hui. Donc, demandez de l'aide, demandez un soin énergétique, demandez qu'on vous guide ici pour pouvoir vous recentrer au niveau de votre vie matérielle. D'accord? Et un nouveau départ, là, clair et net. D'accord? Un nouveau départ. Et encore une fois, regardez ce que j'ai. J'ai la papesse. Hein, c'est la même carte. Hein. Donc, pour le deuxième groupe, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment soutenu dans vos projets. On parle vraiment de quitter quelque chose et d'aller vers quelque chose. Vous allez vous jeter comme un fou hein, dans les projets, hein, je vous le dis. Hein, parce que vous avez su accepter cette période de détachement. Et si vous n'êtes pas, si ce n'est pas votre passé, ça, on vous conseille de l'accepter. Mais je pense que pour beaucoup ici, vous avez su accepter ce moment de détachement. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. On parle de fécondité et de new beginning. Et si ce n'est pas le cas, demandez un soin énergétique, demandez de l'aide pour pouvoir vous aider à aller vers cette complétude, d'accord? C'est juste un petit coup de pouce, hein? C'est pas grand-chose parce que je pense que vous avez déjà cette force en vous. Il faut juste que vous soyez conscient qu'aujourd'hui, voilà, il y a une autre façon de vivre dans ma façon d'être sur Terre. Il y a d'autres choses qui vont se manifester, que ce qui est passé est passé. Et là, je vais avec quelque chose de nouveau. Et j'ai confiance parce que je ne suis pas seul sur ce chemin. J'ai la papesse avec moi. J'ai le guide avec moi, le guide suprême. J'ai la Vierge Marie qui m'accompagne sur ce cheminement. Pour que je devienne cette personne, ce magicien d'ose ici. De renaître également de mes cendres, comme le phénix. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se jeter là. Il y a des nouveaux projets ici. Hein. Oui. Le jardin et portail ici, cette carte de conseil ici. Vous voyez cette femme? Elle est ici, dans cette jolie demeure. Et elle aimerait partir. Elle aimerait partir, mais elle n'ose pas. Peut-être parce qu'elle a peur de l'inconnu. Elle a peur de ce qu'elle va découvrir. Alors que ce portail, elle peut même l'enjamber. Hein. Mais pour l'instant, il y a cette notion où je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais trouver. Alors que regardez les possibilités adjacentes qu'elle a de l'autre côté. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous là. D'accord? En fait, c'est ce que cette carte vous dit. Jardin et portail. Vous êtes dans un jardin aujourd'hui qui est magnifique. Il y a un portail qui est là. Vous avez l'impression qu'il vous empêche de partir. Mais alors que le portail n'est même pas fermé. Il n'y a même pas de cadenas. Et en plus de ça, vous pouvez l'enjamber pour partir. Qu'est-ce qui vous retient pour vous lancer? Je pense que vous allez avoir un coup de pouce ici de l'univers. Et j'invite les gens qui sont dans ce deuxième groupe de demander un accompagnement. Hein, ou une guidance privée ou un soin énergétique. Parce que là, il y a vraiment une notion de quitter quelque chose ici. Le magicien, ça peut aussi être la magie noire, mais encore une fois, le magicien, ça peut aussi être vous ici qui allez retrouver votre pouvoir universel. J'ai une notion ici d'enfant, d'accord? Ça peut être aussi votre enfant, pour votre enfant, mais ça peut aussi être votre enfant intérieur qui attend de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà pour le deuxième groupe. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a résonné, vous a plu. Je vous invite vraiment à prendre les messages avec beaucoup de recul et à vous questionner sur votre chemin de vie et surtout à mettre en place des dispositifs qui vous permettront de voir avoir une vision différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, d'accord? Donc voilà, mes belles âmes, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube. À bientôt, mes belles âmes. Coucou le troisième groupe, bienvenue pour les personnes qui ont fait ce magnifique choix avec l'améthyste pour apaiser les énergies, pour apaiser des émotions et peut-être pour réparer également, pour guérir une situation qui était meurtrisante, je ne sais pas, en tout cas c'est une guidance générale. Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui sur ce tirage? Nous avons pour le troisième groupe le jugement, d'accord? Ça c'est votre énergie. Soit vous vous jugez durement, soit en tout cas, les gens vous jugent. Ça, c'est l'énergie que vous rentrez dans cette guidance aujourd'hui avec le jugement. Le conseil des guides ici, le conseil du tarot, c'est la transformation. Donc, vous devez changer de regard par rapport à ce que vous avez sur vous-même, d'accord? Changer de façon de faire, changer du... Si vous êtes dur avec vous, peut-être que vous êtes trop dur avec vous, changez également. Mais le jugement, c'est aussi cet arcane majeur qui représente le jugement final, c'est-à-dire d'une situation. On arrive à la fin de quelque chose où le divin vient et dit, il décide que maintenant, ça y est, c'est stop, on va vers autre chose. Et l'autre chose sur laquelle tu vas, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'ici, tu dois te transformer radicalement. Il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi pour devenir une peau neuve, pour faire peau neuve ici.
la canne sans nom, c'est la canne de la mort, où on laisse les anciens schémas. Et parce qu'on a fini une épreuve de notre vie, parce qu'on a fini quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce qu'on a traversé une épreuve, parce qu'on a fini un examen également, et qu'on va dans une autre direction aujourd'hui, un autre cycle. Donc, il est question ici de ne pas rentrer dans ce nouveau cycle avec les anciennes choses. Donc, les jugements ici qu'on pouvait avoir hier, aujourd'hui, il faut qu'on les laisse derrière nous, parce qu'on se transforme en tout cas. On fait peau neuve, on devient une nouvelle personne. D'accord? Ici, dans ta vie sentimentale, nous avons « cela vaut la peine d'attendre ». Il y a une situation ici qui te demande d'avoir encore la foi et la patience, d'attendre encore un petit peu, d'accord? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous avez peut-être fait des doléances, vous avez demandé, on vous dit d'attendre, d'accord? Au niveau énergétique, les choses sont en train de se manifester. Même si tu n'as pas le sentiment que ça avance, on te dit que oui. La transformation sur laquelle tu vas être propulsé va t'apporter la chance. Nous avons le trèfle ici à quatre feuilles et nous avons la coccinelle. Peut-être que tu as vu un trèfle à quatre feuilles ces derniers temps, peut-être que tu as vu une coccinelle, mais si ce n'est pas le cas ici, on te parle d'une étoile ici qui va briller de manière remarquable ici pour toi, d'accord? Ta lumière va briller à nouveau. On a cette étoile ici qui est différente des autres qui sont autour. Il y en a même deux ici. Peut-être que ça peut être toi et un enfant. Oui, il y a une notion, j'en ai deux. Une, deux, trois. Et une quatrième qui est un peu plus petite, mais qui commence à prospérer. Donc, il y a quelque chose ici. Ça peut être trois projets et un quatrième projet que tu as mis en place. Ça peut être des enfants ou des situations différentes sur lesquelles tu vas avoir la chance de se manifester, ce que tu as demandé. D'accord? Et cette transformation va t'apporter vraiment, on dit, chance. La chance est une opportunité. Tu vas saisir des opportunités nouvelles ici parce que tu te seras transformé. On te demande d'être apaisé avec cette carte, avec cette, tu vois, je dis carte, bon, j'ai la tempérance derrière. La tempérance signifie également guérison. Peut-être que tu dois te transformer en passant par une guérison de tes émotions parce que cette carte, cette pierre, en fait, elle parle d'apaisement des émotions. D'accord? D'apaiser également les chakras qui sont en dualité. Mais c'est aussi le chakra coronal hein, où on reçoit des messages. Ou on reçoit des instructions de là-haut, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Le conseil ici par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à cette situation sur laquelle tu dois te transformer. Une mère de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et tu es une projection de l'univers. Donc en fait, ce que tu vibres, tu l'attires. D'accord? Et on dit souvent que c'est ce qui te fait peur que tu attires. Donc, il n'est plus question de rester dans les peurs ici, je pense. D'accord? Si tu as peur de ne pas trouver d'abondance, si tu as peur de ne pas réaliser tes rêves, c'est ça qui va se passer. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont bloqués au niveau de leur revenu, de leur vie matérielle. Ma foi, on parle quand même que tu as la chance, c'est la carte centrale ici hein, qui arrive. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini. Et pourtant, ton espace est réduit. Donc, n'aie pas des pensées limitantes. C'est ça qu'on te demande de ne pas faire ici. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Tu vois, il y a quelque chose, une notion ici qui doit se transformer en changement. Et tu peux dire namasté aujourd'hui aux guides qui sont là pour t'apporter ces messages parce qu'on te dit que cela vaut la peine d'attendre dans ta vie sentimentale, mais aussi ta vie professionnelle parce que je pense que tu as été bloqué ici. Puisqu'on a le jugement ici qui vient pour juger même ceux qui t'ont bloqué, si c'est une notion de ce genre de choses ici. Et pour que toi, tu te transformes et tu te transformeras par une guérison également. Donc, j'invite les gens du troisième groupe à demander un soin énergétique, à demander une guidance. Bien entendu, je ne fais pas de soins sans guidance. Il y a quelque chose ici qui doit être nettoyé à l'eau. Et c'est pour ça qu'on a la mer ici. La mer à l'eau de mer, à l'eau peut-être bénite ici avec quelque chose qui va travailler au niveau ésotérique. D'accord? J'ai ici abondance bloquée dans ta mission de vie. Abondance bloquée. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on a l'œil de tigre ici. Peut-être qu'on vous invite à aller voir également le premier groupe. Hein, pour débloquer quelque chose ici. Il y a quelque chose qui doit se débloquer là. Et on te disait tout à l'heure que cela vaut la peine d'attendre. Donc, l'abondance qui est bloquée ici, clairement dans ta vie
financière, on a le blocage financier. On a la carte, ça c'est la carte de la misère, de l'avarice, de quelque chose qui n'est pas prospère. Dans tous les cas, ça peut parler d'abondance financière, mais d'abondance matérielle aussi. Ou d'abondance, il y a plusieurs formes d'abondance. Hein. On parle d'une abondance bloquée, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai la chance au milieu. Hein. Donc, il y aura des manifestations à travers ta demande auprès de l'univers, à travers également un engagement, à travers également une volonté de te dire, « Ok, je suis consciente de tout ça, ça fait un moment que je le sais. » Je vais demander de l'aide, je vais demander un accompagnement, je vais demander un soin énergétique, je vais demander à un guide également ici de m'apporter la lumière également. Je vais demander une guidance, je vais demander peut-être à un prêtre exorciste ici de m'aider. D'accord? Il faut faire quelque chose là parce que je pense que ça, c'est ce que tu as vécu dans plusieurs vies. On parle de 8 vies là peut-être que tu as vécu de l'abondance bloquée. Aujourd'hui, peut-être que c'est la fin de cette vie, de cette répétition de schéma dans tes vies. Puisqu'on parle de chance ici. J'ai le voyage, d'accord? Ici, il y a une notion de déplacement. Soit tu vas faire un voyage, soit tu as quelqu'un qui est parti, mais qui continue à te surveiller, parce que j'ai une notion de surveillance ici. Pourtant, on me dit que cette personne, vous avez le même chemin, hein, parce que j'ai la boussole ici. Comme si votre chemin était destiné ensemble ici. Il y a une notion de destinée ici. Quelqu'un qui te surveille de là-haut. Ça peut aussi être quelqu'un qui est décédé hein, déjà, hein, puisque j'ai dit là-haut. Mais ça peut être quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui est loin de toi aujourd'hui, avec qui vous n'êtes pas plus en communication. Mais on parle d'une personne qui te regarde, qui te surveille. J'ai eu deux cartes ici pour le troisième groupe, diligence et flexibilité. Vous allez réussi à vous déployer les ailes comme ça et passer au-dessus des nuages, vous voyez, par rapport à cette abondance bloquée, parce que vous aurez compris ce qu'il y a lieu de faire. Et on parle ici que dans quelques temps, vous allez avoir une flexibilité dans vos finances, flexibilité. Voilà ce qui vient vers vous. Ça va commencer à aller mieux. Ça va commencer à aller mieux. Donc, il y a une notion ici de demander aussi à l'univers de vous aider à redevenir. Voilà, on a le magicien ici et le miroir. Je vais en mettre une là sur le magicien et le miroir. Pour les gens du troisième groupe, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé le cœur. Hein. La 3 d'épée. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment déchiré le cœur. Ok, le magicien et le miroir ici, on vous demande d'appeler votre abondance. Et vous voyez, on a encore le blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué et ça confirme. Donc, on vous demande de faire un travail ici sur vous pour pouvoir appeler votre abondance. Et voilà ce qui va venir vers vous. La reine de déniers, c'est vraiment la main nourricière. C'est la figure matriarcale. C'est la force également. Vous allez retrouver votre force vitale, votre force de l'univers ici, à pouvoir reproduire également. Même reproduire peut-être pour certains. J'ai pourtant ici le blocage, mais la bonne nouvelle, c'est que en dos de deck, nous avons la 9 de denier. La 9 de denier ici qui va venir, c'est pour vous dire que en demandant, en faisant ce qu'il y a à faire, la 9 de denier, c'est une très très belle carte. D'accord? C'est une carte qui parle de l'abondance matérielle, financière, l'indépendance, l'autonomie, sécurité sociale également, et quelque chose où on vous demande peut-être de quitter aujourd'hui, de tourner le dos à une situation aussi, d'accord? Pour pouvoir laisser ces blocages derrière vous. D'accord, il y a une notion de ça ici. Et c'est pour ça que l'arcane sans nom est ici parmi les trois arcanes majeures. C'est au milieu. Il y a une notion de vous transformer pour aller chercher votre chance et quitter cette abondance bloquée. Et on parle que quand vous allez faire quelque chose, ce travail ici, il y aura un début de flexibilité et vous allez retrouver votre pouvoir ici avec le magicien et le miroir. Et voilà ce qui vient vers vous parce que vous aurez trouvé le moyen de contrer ces énergies de blocage là. D'accord, il y a un blocage ici dans quelque chose. Mais on me dit que si c'est avec une personne, cette personne, elle vous surveille de loin. Cette personne, elle vous surveille de loin. Une personne qui est partie de votre vie, qui a tourné le dos aussi. Guidance générale. Hein. Mais vous allez retrouver cette force, d'accord? Que on peut parler ici de magicien d'Oz. On peut parler également ici de renaître de ses cendres encore une fois. D'accord? On peut parler également ici de retrouver un peu comme l'alchimiste en fait.
Celui qui transforme le plomb en or ici. Vous allez retrouver cette notion ici, cette force ici, en vous transformant et en demandant ici qu'on vous accompagne pour un soin énergétique ici avec cette tempérance. Le jugement, c'est tout simplement laisser tout ce qui a été fait derrière vous avancer vers votre destinée. Vous voyez, ce squelette, il regarde vers la guérison. Il ne regarde pas ce qui a été fait. Il regarde vers la guérison. Regardez vers votre avenir et acceptez qu'on vous accompagne aujourd'hui vers cette transformation, les belles âmes du troisième groupe. Comme j'ai dit, les gens du troisième groupe, ils avaient une notion, une corrélation avec le deuxième groupe. Donc, vous pouvez également aller voir un autre groupe si ça vous appelle. N'hésitez pas. Hein. Voilà, mes belles âmes. En tout cas, il y a eu un décalage dans votre vie ces derniers temps, mais on vous dit que, voilà, cela vaut la peine d'attendre, de faire un travail sur soi pour pouvoir aller vers votre complétude. Je ne sais pas si je dois prendre une dernière carte ici. Je vais demander à Maman Marie, pour certains qui veulent écouter un dernier conseil. Des bienfaits. Ici, on vous parle des bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Et la tendresse, ici, on vous demande de rester tendre, quel que soit ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'il y a cette pierre qui vous apaise. Restez dans la tendresse et apaisez-vous. Même si vous avez vécu des choses difficiles avec un enfant, avec une fille, avec une amie, quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti avec un autre, peu importe. Restez tendre dans cette énergie de manière à ce que les choses se débloquent également, d'accord? Parfois, l'abondance bloquée peut aussi émaner de beaucoup d'autres choses. Ça peut aussi être des énergies d'extérieur qu'on nous envoie et qui viennent nous bloquer. Mais je pense que c'est quelque chose qui est en corrélation avec des vies antérieures ici pour certains, d'accord? Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Et on vous demande de rester sobre, sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc, pour certains ici, peut-être que, voilà, parfois vous êtes peut-être désabusé, vous vous sentez désabusé et vous pouvez avoir tendance à peut-être prendre un peu d'alcool. Ne laissez pas ce genre de démon vous manipuler. Prenez un verre si vous avez envie de prendre un verre parce que c'est un plaisir, ce n'est pas un moment de dépendance. Donc, ne soyez pas dans cette dépendance-là et ne vous mettez pas plus des épées de Damoclès au-dessus de la tête. Laissez faire, laissez partir ces énergies, restez tendre avec vous-même, restez sobre. On vous parle de garder la force de caractère ici. C'est le dernier conseil de la Vierge Marie. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait dans cette situation. Voilà pour les gens du troisième groupe. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a résonné. Voilà, je vous invite vraiment à méditer dessus, à prendre également du recul, à vous dire que c'est une guidance, voilà. Si cette guidance n'a pas résonné en vous, allez voir d'autres guidances que je poste. Vous allez peut-être retrouver quelque chose, une similitude de quelque chose. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura apporté une certaine connaissance, un certain éveil et peut-être des messages qui vont vous permettre de quitter également certains blocages. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ça aide énormément pour la communauté. Voilà mes belles âmes. Je vous dis à bientôt.